de nouveau sur le pré, Dylan, président de cette Ouais. Salopard, malheureusement qui échoue au pied du podium avec les garçons, quatrième place de ce virtual winter. Un petit mot avant de basculer sur la finale. Eh bien, déjà, félicitations aux filles parce qu'elles ont amplement mérité leur victoire. Et pour nous, bah, c'est dommage parce qu'on avait la possibilité de mettre deux équipes sur le podium. Maintenant, voilà, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Aujourd'hui, je pense que j'ai mal choisi. Tout n'est pas perdu, on va basculer de suite sur la finale. Seb, grosse finale maintenant entre les Wonder Seven masculins et les 7 saloperies filles. Je crois qu'elles vont être déterminées, évidemment, les 7 saloperies. Ton pronostic? En match nul. Match nul, et parce que ce serait très drôle, parce qu'on n'a pas prévu ce cas-là, et qu'on va être bien emmerdé s'il y a un match nul. On Je va vais essayer trouver. de lier là-dessus. On va trouver, c'est bon. Moi, j'ai deux, trois petits trucs. On va sortir le truc du chapeau, hein. On va sortir le truc du chapeau, on va y arriver. On va trouver ça. C'est pas un problème. Dylan, comment elles sont les filles là? Bah, dans l'assaut, elles ont souvent un peu relevé le niveau des garçons, surtout. Lendemain, deuxième jour, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Parfait, écoute, on va te laisser aller discuter avec elle, te préparer pour cette épreuve finale. On va Ouais. de suite récupérer aussi en bord terrain notre président, notre coach, pardon, des Wonder Seven, Antoine, qui est là avec pour cette finale, qui est derrière les partenaires. Devant les partenaires. Ouais, là, j'ai laissé les gars là, rentrer tranquillement sur le terrain. Je vais aller les rejoindre là pour vous dire un petit mot. On s'est fait accueillir par les 7 salopards en amis. Donc ça, c'était vraiment, ils nous ont accueillis avec le café, tout ce qui va avec. Donc ça, c'était super. Ils nous ont mis dans les meilleures conditions, mais maintenant, c'est le rectangle vert. Et le rectangle vert, il n'y a plus d'amis, et maintenant, c'est une finale. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc là, on est prêt. Ça va être un grand rendez-vous. J'espère que vous êtes prêts, vous aussi, derrière votre petit écran du tournoi virtuel du Winter Seven. On est prêt, merci beaucoup. On est très très chaud. Quel a été le discours? Non, Le discours, il a été le même. Tout, ça a été, voilà, c'était notre philosophie tout au long du tournoi. C'est pas de complexe. On se fait plaisir, c'est le mot. Et puis après, ben, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis maintenant, voilà, on est en finale. Et comme je dis tout à l'heure, il y a une coupe à aller chercher. Et on va ramener la coupe à la maison. Et puis Seb, un petit mot. On va lâcher les chevaux. Oui, il y a une preuve physique quand même hard. Alors, Seb, je crois qu'il est déjà dans son match. On Ouais, t'entend plus. je concentre tout à fait. Il est parti déjà briefer Ouais, les filles. je disais Seb, une épreuve quand même. Voilà, Antoine parlait de lâcher les chevaux et c'est le cas parce que là il va falloir mettre les cannes, ça va être hard, c'est dur quand même cette épreuve. Complètement, complètement, complètement. On a vu sur l'épreuve d'avant que les filles et les garçons n'étaient pas très très loin de vomir à l'arrivée. On va aller puiser fort dans les réserves et ça va tirer, ça va piquer. Bon, très bien. Écoute, on va de suite faire passer à la présentation des équipes avec les joueurs et les joueuses devant les hymnes. Si les garçons et les filles veulent bien se mettre en place, je vois qu'elles sortent du vestiaire. Ok, je vais leur dire. Donc du coup, présentation, c'est les hymnes, c'est parti. Tu te penches, tu te. Chaque fille doit s'écarter de 1 mètre parce que s'écarter un petit Écartez-vous peu. bien. Écartez-vous Et bien. ensuite, point fort, point C'est faible. juste pour barrière. Prénom, point Okay. fort, point faible. Et non, point fort, point faible. C'est bon? Allez, c'est parti. Margot, point fort, mon physique, point faible, je suis meilleure au troisième étang sur le tournoi. Tara, point fort, drop, point faible, drop à 10 mètres. Bonjour, tac tac, point fort, la défense, point faible, mon absence sur les tournois internationaux depuis 2015. Il manque une sacrée expérience, mais il va falloir concrétiser ça sur le terrain. Merci les filles, on les sent motivées. Il y a des supporters en plus avec eux, avec elles. On va de suite, sans plus attendre, basculer avec les Wonder Seven, avec l'hymne des Wonder Seven, la présentation des joueurs. T'es pas prêt de banque. Numéro 1, Théo Vauvard, alias D-Rose, 18 ans, point fort la vitesse, point faible le grand. Numéro 2, Ramon Lida, c'est pas facile. Il a pas de point faible, c'est pour ça. Point fort, la vitesse aussi, point faible, ben, j'en ai pas beaucoup en vrai. Oh là 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 là. Vas-y. Et le numéro 3, le Sacha phénomène. pour toi. Sacha. Point fort, j'en ai pas trop, et point faible. Beaucoup. Ouais, beaucoup, hein. Les maths, tout ça. Voilà. Bonne finale, messieurs. Heureusement, il va falloir compter quand même, il va falloir compter le nombre de burpees, il va falloir l'aider si possible pour les burpees, sinon il va être On perdu. l'aidera pour les burpees à compter, t'inquiète pas. Super, ok, parfait. Parfait, parfait. Donc on est prêt, tout le monde est chaud. Ouais, On est chaud, on on va va compter, prendre. amuse-toi.
les filles. Ça va partir, les gars, ça va commencer. Ça va pas tarder, les gars. Commencez à vous chauffer dans le monde. Tout le monde va se mettre sur la ligne de départ. Vous pouvez filmer de deux angles différents éventuellement. Vous mettez sur deux angles différents. Allez, ça passe. Allez, un derrière les poteaux et un au 22 mètres. Ok, je vais me mettre au 22. Vous y voyez bien ou pas? Didi, on te voit à l'envers, mais. Tu me vois à l'envers? Non, non, Dylan. Ah ouais. Voilà. Antoine, prends un peu plus de profondeur. Pour les poteaux. Voilà, nickel, parfait. Vous avez c'est changé bon vous n'avez pas changé les plots là. Je pense que pour si, les. Si. Les si, si, c'est 10 et 20. D'accord. Okay. Dylan, va derrière les poteaux, filmez les burpees de près. Ah, donc comment je reste moi derrière les poteaux à chaque fois, c'est ça? Ouais, et comme ça, tu vas pouvoir filmer de derrière. Ah, cool. Moi, si tu veux, je te suis le mec pour son 180. Attention, il y a un striker. Allez. Les joueurs et joueuses sont prêts. Seb, tu prends le chrono des garçons, je prends le chrono des filles au cas où. Je vais lancer les deux en même temps. Les deux vont se... Je peux faire les deux en même temps avec iPhone Max. Ah ben super. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Tout le monde est chaud? C'est bon, c'est bon. J'attends le départ. Petit cri de guerre, un petit cri de guerre pour s'encourager. 1, 2, 3, Wander, les gars. 1, 2, 3, Wander avant. 1, 2, 3, Wander avant. Cri de guerre. Les filles, est-ce qu'on est motivés? Voilà, c'est bon. C'est la grande finale du Virtual Winter 2021. Ça se joue maintenant. 3 minutes intenses. 3 minutes de grand niveau sportif, physique et technique. Les filles, on est prêts? Je crois que c'est Margot qui démarre. Margot, j'avais le numéro 14. Non, M, pardon, comme Margot, évidemment. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. On y va, messieurs, dames, Antoine, c'est parti. Dans 3, 2, 1, go! Vas-y, go! Alors, vous pouvez voir sur la caméra de gauche notre ami Théo qui sprint comme un dératé. Il est chaud pour attraper Margot. Ça va se jouer de toute façon au finish, c'est sûr. Ça va être une épreuve intense. Alors, on n'y voit plus grand-chose. Théo qui repartit en avance à la sortie du poteau. Théo qui repart. Et Margot qui suit. Margot qui n'est pas très loin, mais c'est Théo qui va arriver en première position. Il va falloir se concentrer sur le drop. Récup. Margot qui arrive pour le drop à son tour. Premier échec pour Théo. Attention Margot, première tentative pour Margot. Belle, c'est parti, va vite taper. Réussi pour Théo. Ramou. Burpees. Et Margot, deuxième tentative. Allez Margot. C'est pas passé loin. Max, est-ce que pour le truc, on fait qu'au bout de 5 échecs, ça part? Allez, Ramou, allez. Bien sûr. Au bout de 5 échecs, c'est dedans. Où est notre ami Ramou? Ramou, je pense qu'il est bien avancé. Encore une tentative, si tu la loupes pas, c'est à ta copine, t'inquiète pas. Allez, Margot. Allez, Ramou, à fond. Il y a Ramou déjà qui est en train d'arriver. Va taper. Prends ton temps, récup. Oh là, premier échec aussi pour Amou. Et Sarah qui est partie un petit peu trop vite, je crois qu'elle avait oublié les burpees. Allez. Oh, elle est belle. Ouh, ça s'envole. Va taper. Allez, on y va, c'est parti. C'est Tara qui prend le deuxième relais pour les filles. T'es à 5. On n'oubliera pas pour Sacha les tours, les pirouettes sur lui-même. Allez Sacha, allez mon grand, allez. On va voir s'il bat un record des filles d'esprit sud. Et Tara qui arrive déjà. Elle courit très très vite, Tara. 3-0, c'est à battre. Hop. Et elle va se positionner directement. N'oublie pas que Sacha, il a des tours à faire sur lui-même. Première tentative.
Aïe, 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 aïe. C'est peut-être la balle de match. Il est déjà là. Il est déjà là. Sur les raclettes que sur les drops. 3, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là, il en manque un, non ? Il en manque un, Ils ont dit, il en manque juste un. Voilà, stop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, papa, il y en a deux de plus, t'as mieux. Concentre-toi. C'est la balle de match. Le record des filles te tiendra. Hein. Bravo, ouais. On tient à dire que les. Dommage, dommage, dommage. C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, belle, belle, belle. Et Tara qui la met, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Pour le dernier, il n'y a fini. Pas de 5. Pour le dernier, il n'y a pas de 5, par contre, pour que ça passe. Hein. Oh, ça passe pas, ça passe pas. Aïe, 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 il y a encore des choses. Il y a encore tout et encore à jouer. Tac, tac, va peut-être. Tac, tac, va peut-être en parler. Et le ballon qui est sorti là-bas derrière. Et puis, tu prends moi le ballon. Aïe, 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 aïe. Ça peut se jouer sur. Non, il n'a pas le droit de prendre. Ramon, renvoie. Il est pas obligé de prendre. Il ne veut pas dans un autre ballon. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Tout peut se jouer. Tout peut se jouer sur cette dernière erreur. Ce drop qui est allé très loin. C'est, tout, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il a loupé. C'est non. Il va taper, il faut toucher, toucher, toucher. Va toucher ton copain. Aïe, aïe, aïe. Tac, tac, il faut qu'il fasse 5, il faut qu'il fasse 5 tours. Tac, tac. Victoire des Wonders. Et c'est la victoire pour les Wonders. 4-11. Allez, tac, tac. C'est pas fini, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a du soleil à Paris, il y a le soleil dans les yeux. Tac, tac. Ouais. Bravo, tape, tape, tape. Aïe, 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 ça joue à pas grand-chose. Ça, c'est joué à pas grand-chose. C'est terminé avec cette belle victoire des Wonders. Bravo, les mecs, bravo. Ce virtuel winter de l'équipe. Bien joué, bien joué. Bien joué. J'en ai le tourni. Quelle finale. Bien joué, les gars. Bien joué. On va prendre une réaction. Bravo. On va prendre une réaction de suite avec Sacha. Ouais, Théo avec moi. Sacha aussi. Une réaction, Sacha. Il est mort. C'est Théo qui est avec nous. Théo, on t'écoute. Victoire des Wonder Seven. Théo. Ce virtuel winter de l'équipe. Grosse victoire. Ouais, grosse victoire. Attends. Bon, j'ai 4 burpees à faire. Oui, de plus que l'adversaire. Sur la vitesse, j'ai rattrapé. Je suis arrivé devant le drop. J'ai raté le premier. Un peu essoufflé. Je n'ai pas pris assez mon temps. Le deuxième, je l'ai mis. J'ai passé le relais. La victoire est très importante. Je suis content. Premier sur les séries. Wow. Et Antoine, j'ai une question, moi. Est-ce que ce ne serait pas le premier titre des Wonders toute compétition confondue? Alors, je vais pas vous mentir que on a été piqué par les propos des 7 fantastiques. Je comprends. Ils nous ont dit comme quoi c'est une asso qu'ils connaissaient pas. On leur a laissé notre carte de visite en quart de finale. J'espère qu'ils sont pas prêts de nous oublier. On est en reconstruction. On rappelle qu'on est une association qui a quelques moins de 5 ans. Et il va falloir compter sur nous sur les prochains événements, je pense. Donc, premier titre officiel. Premier titre officiel, mais ce ne sera pas le dernier. C'est ça, là, c'est peut-être un tournoi virtuel, mais bon, on sait qu'à 7, on peut prendre n'importe qui. L'assaut, elle est incroyable. Je pense qu'on va faire des merveilles. Et on viendra défendre notre titre à Montpellier l'année prochaine, comptez sur nous. Évidemment, on y compte, évidemment. Une réaction de suite avec les 7 salopards. Dylan, est-ce qu'on a un tac-tac ou Margot ou Tara qui est avec nous pour à chaud nous donner un petit peu leurs impressions sur cette, oui. Sur cette épreuve? Le micro, hop. Par rapport à mon émission, elle est pas prête. Elle est soufflée. Ça s'est joué de peu. Je rappelle que sur la dernière action, notre ami Sacha a loupé 3 fois le drop et du coup, ça, tac-tac, était pas loin de revenir. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Seb, on aurait pu aller chercher cette victoire. Ouais, une dizaine de secondes d'écart hein, à la fin qui nous manque. Et je pense que c'est la part de trop de raclette hier. On avait dit d'arrêter de se servir. Dylan, Sébastien parlait de raclette hier soir abusive. Ça a un peu plombé peut-être les filles sur les deux premiers peut-être sprint. Ah bah c'est la raclette, c'était un peu le fil rouge de la semaine. Déjà c'est parti du train. Hier on s'est dit que vu que ça nous avait réussi, on n'allait pas changer une équipe qui gagne. Après on n'a pas pris du lait cru, donc peut-être que c'est ça, ça n'a pas assez collé sur la paroi et du coup ça ne nous a pas donné les forces nécessaires pour finir. Du coup, est-ce qu'on a une réaction d'une fille qui veut peut-être nous dire un petit mot pour nous donner ses impressions?
Ouais, elles sont peut-être trop tristes. Elles sont rentrées au vestiaire, je crois. On peut faire participer Rémi, là, on a un avis très tranché sur le rugby féminin qui est intéressant à partager, à mon avis. Hop. Je crois qu'elles sont rentrées au vestiaire. Bon, écoute, reste avec nous, on va revenir avec elles. Antoine, un petit mot encore. Antoine, on disait pour les Wonders. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite, plein d'optimisme. Ouais. Ouais, écoute, attends, hop, je me dis compte. Ouais, écoute, franchement, ça fait plaisir. Bon, c'est vrai que c'est un tournoi virtuel, mais au moins, ça prouve que notre association, ils sont mobilisés quand on fait appel à eux. Et ça, c'est quelque chose que c'est le bon augure pour la suite, pour parler sérieusement. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, on essaie d'avoir un groupe compétitif, même dans ce genre d'événement, parce que c'est quand même, il y a eu des moyens, il y a eu des choses d'organiser. Donc, bravo à vous d'avoir organisé un tel événement. Et puis, franchement, on a été super bien reçus et c'est l'ambiance qu'on aime. C'est l'ambiance qu'on aime de faire des tournois et s'amuser après. Voilà. Et c'est comme ça que moi, c'est ma philosophie du rugby et c'est celle qu'on retrouve aussi chez les copains. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est voilà, que demander de mieux. Quoi. Parfait. L'occasion, évidemment, de remercier les 7 salopards qui vous ont accueillis ce matin chez eux, qui ont délocalisé la finale. Merci à domicile. Alors, malheureusement, ça n'a pas suffi pour le 16e homme, pour le 8e homme, pardon, pour aller chercher les points. Tout de même, si on fait un petit récap du classement de ce Virtual Winter 2021. Les Wonders, 7 points pour cette épreuve physique. Bravo, bravo pour les Wonders qui prennent la première place donc de ce circuit européen 2021. Évidemment, hein, Seb, circuit européen qui va continuer. On en parlera des prochaines étapes tout à l'heure. 7 points pour les Wonders 7, 5 points pour les 7 Saloperies qui sont quand même bien partis dans ce circuit européen. 3 points pour Espresso tout à l'heure. Max, t'as ton micro qui est coupé. Je disais 3 points pour SP Suite 7 filles, on l'a vu tout à l'heure, qui monte sur le podium de ce Winter 7 2021. Et puis un point pour les 7 salopards qui malheureusement échouent, les garçons, au pied du podium. Un point comme tous les autres participants. Et le concours de likes. Le concours de likes, évidemment, on a les résultats aussi. On a eu les résultats tout à l'heure, on a eu les résultats. Donc bravo, bravo évidemment à tous ceux qui ont participé. Donc on fera le point rapidement du classement général avec ce concours de likes aussi. Donc félicitations, bravo à peut-être tous. Peut-être une double victoire peut-être pour Wonder 7. Margot, Tara, on vous a senti mobilisé pour cette finale. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Vous m'entendez? Oui, attends. On vous a senti prête, motivé tout au long de la semaine pour arriver en finale. Vous avez fait une super épreuve. Vous n'avez rien lâché. Ça s'est joué quand même à 10 secondes, comme le disait Seb. Un petit peu déçu, mais il faut retenir du positif. Il faut retenir du positif. Oui. Après, ce n'est pas évident contre des garçons parce que ça court plus vite, mais non, c'était sympa. Tara, Sébastien nous a dit, Dylan nous a dit que tu avais mangé trop de raclette hier soir. La digestion a été difficile. Est-ce que tu as une alarme sur ton téléphone qui te dit qu'il faut arrêter des fois de manger ou comment ça se passe? Ben non, j'aime trop la bouffe pour ça, mais il faudrait l'installer. Ouais, pour se fixer une limite, quoi. Ouais. Bon. Est-ce pas de regret sur cette finale? Si, quand même, on a perdu. De pas grand-chose en plus. Hein. Franchement. Il y aura une revanche à prendre l'année prochaine au Winter. Ou tout à l'heure sur le toucher. Ou tout à l'heure sur le toucher. Allez, écoutez les filles, on vous libère. Merci beaucoup. On fait une photo. Bonne journée. Et puis à très bientôt. Je pense qu'on a ressenti beaucoup de déception, je crois, dans les mots des 7 salopards. Deux finales, deux défaites. Brave assaut de loser. De toute façon, c'est un running gag, c'est un fil rouge. Hein. Les finales, on ne les gagne pas souvent, nous. Et la malédiction se coule. Check Rémi. La malédiction sportive, vas-y, on va donner la parole à Rémi alors. Rémi, on était avec Sébastien. Sébastien disait que c'était un jour noir pour les 7 salopards, même s'il fait très beau à Paris. Deux défaites. Touché avec nous. Oui, bonjour. Quel est le sujet? Rémi n'est pas là, il m'a demandé de prendre la parole pour lui. Que voulez-vous savoir comme information? On est en train de débriefer de la double défaite des 7 salopards. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même 5 points pour les filles quand même sur ce classement du Virtual Winter. Mais quand même, Sébastien disait que c'était difficile pour les 7 salopards de gagner des finales. Et on a eu encore l'exemple aujourd'hui.
Non, c'est pas une défaite pour nous, surtout en ce temps de Covid, et on en profite, hein, au nom de l'association et pas mal de participants, je pense, et puis moi je le fais aussi au nom du circuit européen. On en profite pour te remercier, toi, pour remercier SP Sud 7, parce qu'en ces temps de Covid, ça nous a permis de se rassembler et atteindre le dernier carré, mobiliser notre asso et être tous ensemble. Et tu vois, partager un temps malgré tout avec les autres associations. Alors pour nous, c'est pas une défaite, c'est la victoire du rugby, Maxime. Et on te remercie pour ton travail. Merci. Sébastien, un petit dernier mot pour nos partenaires. Pour les remercier vraiment. Remercier toutes les équipes qui ont participé. On a perdu dans une partie de l'effectif. Je ne suis pas en mesure de citer tous les partenaires, mais pour reprendre ce que disait Rémi et pas en trop en rajouter, merci beaucoup à tous. C'est vrai que c'était assez exceptionnel de pouvoir réaliser ça dans ces conditions-là. Je pense qu'on mesurera la chance et la réussite de tout ça dans les semaines qui viennent. J'espère qu'on aura l'occasion de tous vous croiser très très nombreux sur les terrains dans les meilleurs délais. Et puis ouais, encore merci. Merci à tous, c'était vraiment chouette. Et un petit mot en anglais pour les équipes étrangères. Yeah. Thank you very much to all team who participated to the tournament. It was pretty impressive to have you, especially Dead Pelicans, who makes every stage during the night and with the jet lag. So thank you very much to all. It was a real pleasure to get you with us. I really hope we will all be allowed to travel this summer to play all together rugby seven. And yeah, hope to see you soon quite quickly. And thank you very much, Alec, again. Bye bye. Parfait, merci Seb. On va remercier évidemment vous, organisateurs du circuit européen, de nous avoir donné confiance pour cette étape. On va remercier nos partenaires une dernière fois, la région Occitanie, la Ligue Occitanie de rugby, le partenaire privé Homme l'Immobilier, Campanile et donc AFPI, expert en crédit. Merci à tous, merci à tous nos réalisateurs, Arnaud, Julia, Léa, merci beaucoup. On va se quitter vite fait avec les images donc de la victoire des Wonder Seven qui sont encore avec nous. On va se quitter en image avec les Wonder Seven en train de faire la fête. Merci le Winter, à l'année prochaine.